c'est mulot. Donc voilà pour la suite de la vidéo d'avant où vous pouvez voir, avant j'avais les yeux comme ça, et maintenant j'ai les yeux comme ça. Oui, avec des larmes et tout, derrière ça, la pleure, comme ça, avec des larmes de sel et tout. Non, j'ai des larmes de dragonnet. De perroquet. Des perroquets, c'est perroquet. C'est un perroquet. Non, c'est un dragon perroquet. Perroquet. Bah, des larmes de dragon perroquet. Même la caméra se fout le camp, vous pouvez voir. Je suis en train de dire tout à l'heure. C'est la part en live. Mince. Ah, live. Oh, on devrait faire un live. Ah, j'avoue. L'intro de ça. Et bah du coup, on va essayer de continuer parce que là, c'est un peu dur. C'est bon, c'est nickel. Donc du coup, il nous reste deux vidéos, je pense, 4 et 4. Peut-être un seul à 8 si on est rapide. Et on a 12 H déjà. Et ouais, et ça, et donc n'hésitez pas à regarder les premières parties des vidéos pour voir nos jolies ouvertures de H. On n'a jamais ouvert autant de H de notre vie. Bah ouais, non mais franchement, en plus on en avait genre 3 par booster, c'était énorme. Et j'ai beaucoup aimé celui où il y avait 5 H dedans. Oui, oui, et surtout que ouais, c'était pas mal ça. Très bien. Alors du coup, bah, tu commences, Willy. Honneur au Willy. Hey, hey. Alors pareil, donc on vous laisse voilà, les promos, voilà, on les garde, hein, je veux dire. Si vous voulez les voir, c'est dans la première partie de la vidéo. On les montre dans la première partie de la vidéo. Nous avons un ancien dragon féerique. Oui, il est bien. Et on m'a posé des questions sur comment on invoque les cartes blanches et noires. Alors, les blanches, c'est une syntoniseur, donc vous avez besoin d'une carte avec écrit syntoniseur. Exemple, celle-ci. Vous voyez, il y a écrit donc zombie, ici, et syntoniseur. Et ça veut dire que, imaginons, pour invoquer cette carte-là qui est juste au-dessus, là, vous avez actuellement 3 et 4, donc 7 étoiles, donc juste cette étoile-là. C'est-à-dire qu'il vous faut un syntoniseur avec 3 étoiles et une autre carte avec 4. Donc l'addition des deux font 7 étoiles. Exemple, voilà. Sur la table, il veut dire. Attention, par contre, il vous faut un syntoniseur ici, c'est-à-dire un syntoniseur, et un monstre normal, c'est-à-dire un qui syntonise et un normal. Donc 4 et 3, ça vous fait une carte 7. D'accord, et ça, voilà. Tu peux l'invoquer spécialement. Donc vous le faites, voilà, vous c'est écrit en plus un syntoniseur plus un monstre non syntoniseur. Donc tu l'invoques, ça fait une invocation spéciale. Donc vous pouvez en faire voilà, plusieurs hein, si vous voulez. Et donc du coup ça. Non, mais non, enfin oui. Ben non. Ah si oui, enfin oui, mais vous pouvez en faire plusieurs, mais il n'y a qu'un seul emplacement. D'accord. Hein. Chaque fois vous le cassez quoi. Oui. Et donc ça reste sur votre terrain et c'est considéré comme un monstre synchro. On appelle ça un synchro. D'accord. Donc les syntoniseurs, c'est pour les faire des synchros. Et les synchros, ben, c'est des monstres comme ça. Bon, et les cartes noires. Et les cartes noires, c'est simple. Imaginons vous avez une carte noire, exemple cette carte là. Il faut regarder en fait directement, donc on la met, hein, c'est celle qu'on a ouvert sur la boîte d'avant. Vas-y, vas-y. Donc là, vous voyez en fait, c'est des étoiles, mais vous avez vu, mais elles sont retournées, vous voyez, elles sont de l'autre côté. Ouh. Et donc là, il y a écrit 5 étoiles, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de minimum 2 monstres, voire plus, 3 monstres. C'est écrit, de toute façon, tout est écrit ici. Donc là, il y a écrit 3 monstres lumière de niveau 5. Donc vous avez 3 monstres lumière de niveau 5 sur la table, et vous invoquez juste simplement, c'est avec ces 3 monstres, vous les rassemblez en dessous. Et vous invoquez cette carte directement depuis votre extra deck. Donc le 3 monstres se transforme en ça, et après souvent il y a un effet en disant enlevez un monstre en dessous, ça, il se passe quelque chose, c'est ouais, ça. Voilà. Ça, et après les monstres liens. Ça, on en a pas encore, mais. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc les cartes noires s'appellent des cartes X, Y, Z, donc on les surnomme les X's. Voilà. X's c'est ça. Et ça, c'est les synchros, enfin, les blanches. Allez, continue. Attends, par contre, on voit plus. Ah non, j'ai rien dit. Je vais envoyer plus trop le nom. Non, mais attends, mais moi j'ai tout écaculé. Seigneur Vampire. Là, mais je regarde ça quoi. Ouais, mais c'est à chaque fois elle tombe. Mais bah. Je te dis, c'est la fin. Elle en a marre. La caméra en a marre. Elle part en sucette. Ouais, c'est pas mal là, non? Attends. Je sais pas, je pense que. Là, on est bien là. Ouais. Elle va tomber peut-être? Comme ça. Ouais, ah, si c'est je fais la pointe. Oh, bonne idée. Hurluberlu. Hurluberlu. Chapeau. Pointu. Ah, on arrive aux 4H comme d'habitude. Alors, la première c'est pas une première. Bon, 3 actions, c'est une très bonne carte. Des fois, ouais, c'est un monstre niveau 8, piocher 2. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Très bien ça. La vallée, ah, bah on a vraiment pas de chance. Ah, souvent, on a 5 H. Là, là. Ah là là, allez. Ah là 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 là. Hurlement d'argent, là 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 là. Non, c'est pas ça. Une pierre blanche, ah là là là. Ah, moi, oui. On dirait qu'on a trop bu en fait. Pas faux. Ouais, mais c'est le désespoir en fait. C'est ça, ce qui nous mange, qui nous tyrannise, Willy. Les tyrannies. J'ai fait 1, 2, 3, 4. C'est des méchantes créatures. Ils veulent manger tout le monde. Bah oui, c'est Starship Trooper. Hein. Non. Ah si. On va avoir 40 000. Ah oui, et dans Starship Trooper, les trucs qui marchent. C'est tyrannide aussi. C'est hein? Des tyrannides. D'accord, je pensais plus au Warhammer 40 000. Oh, lui on l'a pas eu souvent, lui, même presque jamais. Il est bien lui. Tyrannite c'est 40 000 non? J'aurais confondu. Oui, Tyrannite c'est 40 000. Hein. Bah, c'est pas ce que je t'ai dit. Mais Starship Trooper c'est. Tu l'as jamais vu le film Starship Trooper? Non, c'est sur l'univers. Ah, c'est un bon. Truc futuriste en fait, ils sont sur une planète, ils se font éclater par. Des tyrannies. Des tyrannies. Voilà.
Par contre, on l'a pas eu souvent et c'est très très bien dans le jeu Chevalier. Oignon. Moignon. Moignon. Bon, moignon, chevalier moignon. Tigre bidule. El tyran, ok. Ah, la boucle de destruction. Donc, ça, c'est la promo. Malheureusement, hein, c'est la promo. Donc, on a rendu en secrète. Majesté des corps. Après, on a eu donc sanctuaire du démon. Ok. Et une hache. Non, c'est un attaque du noyau A. On a vraiment pas de chance. Hein. Bon, Willis, c'est ton dernier booster. C'est à toi d'ouvrir. Je vais trier. Allez, tri-tri. Tu devrais t'appeler Cri-Cri. Ce serait plus facile, tu vois. Bah non, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Cri-Cri. Bah, tri-tri, Cri-Cri. Bah, c'est pas ouf. Hein. C'est pas mal, vas-y, ouvre, ouvre, Willis. Allez, encore une fois. T'as fait un 2, 3, 4 ? Attends, oui, j'ai fait un 2, 3, 4. Et la caméra est en train de partir en live encore. Oh, putain, c'est caméra, quoi. Alors. Oh, ouh, une force miroir. Oh. C'est bien, très bien une force miroir. Oh. Anneau de défense, bon. On l'a pas eu souvent en vrai celle-là. Hein. Celui-là, on l'a eu trop de fois. Celui-là, on l'a eu trop de fois aussi. J'aime bien, moi, celui-là. Oui, mais on l'a eu trop de fois quand même. Ah, celui-là, on l'a pas eu souvent. On a eu les autres, mais on l'a pas eu celle-là. Oui, oui. Ah bon ? Mais regarde. Mais si, je me parle. T'as raison. Non, tu vois, on l'a pas eu. On a eu les autres, mais on n'a pas eu les celle-là. Ah, peut-être que c'est un booster. Ah, si, on en a eu une. On va avoir une hache dedans. On en a eu qu'une, oui. Allez, hop, on commence. C'est la deuxième formation. Ça c'est bien. Un briseur de ménage. Dragon B. Non, Dragon B. Ah, on a encore une promo. Une déesse de la douce vengeance. Voilà. Et une hache qui n'est pas une hache parce qu'il fait de la guitare. Bon, allez, continue. Allez. De la bouse. On va faire une vidéo en fait et dessus on va prendre une bouse de vin. Par contre, celle-là elle abîme un petit peu, tu vois là-bas. Là. Ah, si elle abîme, il doit avoir des haches dedans. Ah, parce que ça c'est le truc exprès, tu sais, ils font, hé, on met une petite marque et tout, comme ça ils vont faire, oh là là, ouais. Dis-moi les abîmés, c'est pas cool, je vais pas la prendre. Alors que. Il y a une hache dedans. Il y avait des haches dedans. Bon, c'est moi qui commence du coup cette fois-ci. Allez, vas-y, commence. Moi je vais prendre celui-là. Oh le mec. Eh ouais. 1, 2, 3. Je disais parce que en fait, la hache elle est là-dedans. Eh ouais. Je crois même plus, moi. Et ouais. Rien plus, j'y crois même plus. Non plus en vrai. En vrai, j'en ai vraiment non plus. Ah. Ah. Tiens, on n'avait pas eu beaucoup de fois. C'est vrai. Je pense que c'est le deuxième. Ah, ça c'est pas ouf. Ouais, je sais pas ce que ça fait. Ça enlève quand le mec il fait trop noir, tu fais ça et ça l'annule. Toi, c'est bien. Oh, bah tiens, je vais essayer moi. Et ça. Voilà, pas de hache. Pas de hache. Mulot. Mais c'est à toi ? Non mais mulot quoi. C'est ton booster. Mulot Tozo ! Hop là. 1, 2, 3, 4. Oh ! Duplication de sort. Non, non, je suis mieux, ouais. Envoyez deux cartes. Tu l'as fait un 3, 4, oui ? Ouais. Envoyez deux cartes magie depuis votre main au cimetière, puis piochez une carte. Non. Puis cibler une carte dans votre cimetière, magie, une carte magie de votre cimetière, je vous tiens dans votre main. Très bien avec les nouveaux trucs là, les One, je sais pas quoi, les One Piece. Non, les trucs, ouais. Ah oui, bah oui, j'avoue. Oh, c'est une hache. C'est une hache. C'est une hache. Donc t'as vu, en fait, c'est même pas une... C'est clair, c'est même pas une rare. C'est pas une secrète. Ouh, c'est trop fort, oh, j'ai peur. Bon, alors, et en ta première hache. En plus, un zombie, donc ça va très un bien zombie. Dans ton jeu de vampire, si tu veux jouer vampire. Non, je fais pas, je joue vampire. Non, mec, je fais pas, je fais vampire, quoi. Alors, lorsque une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel des effets est activé, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'effet. Voilà, c'est déjà... Super fort. Voilà. Premier petit point. Ajoutez une carte depuis le deck à votre main. Tu fais non. Quoi, tu fais... En fait, vous pouvez défausser une carte, annuler l'effet. Attends, c'est. Non, lorsqu'une carte. Non, c'est lorsqu'une carte à effet inclut n'importe quel des effets des trois là. Ah, d'accord. Tu fais ça en c'est, fait. C'est l'annule, d'accord. C'est l'annule. Donc, soit le mec il dit ajouter une carte depuis deck là, à sa main. Donc, s'il le fait ça, tu annules. D'accord. Sinon, il invoque une carte spécialement depuis son deck, tu annules. Ou alors, vas-y, Willy. Envoyer une carte depuis le deck au cimetière. T'annules. Donc c'est tout ce qui m'a en gros tuto, non, tu c'est super fort. Vous ne pouvez utiliser que l'un qui se voit partout. Bah, ce qui est normal encore. Donc du coup, en passé, c'est floraison et cendre. Donc c'est ça, à Blossom, c'est floraison. Cendre, je savais, H, c'est cendre. Ouais, moi, H, puis le départ, il est H. Attends, floraison et cendre, et joyeux printemps. Oh, mais le petit printemps. Joyeux printemps. Non, mais moi, je suis super joyeux.
Bon, par contre, mais moi je le fais bien déjà. Bah oui, mais moi je suis un pur décalage. Allez, go. C'est le lagage. Et un deuxième. Ah, et ben punaise, devant une carte d'affilée. Du coup, c'est vrai, j'en ai rien à battre, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ah, what the fuck. Ah non, c'est la notre défense, on est bête. Eh oui, eh ben oui. C'est une hache. Bon, du coup, la secrète. Bon, ça, c'est pas encore la secrète, mais bon, les secrètes, voilà, maintenant, on s'en fiche, en fait. Donc, ça, c'est nul. C'est moins bien. Ça, c'est nul. C'est moins bien. Et ça, c'est nul. Ça, c'est bien. Non, non, on dit que tout est nul, les secrètes. Ça, ça, c'est bien. Du coup, on a dit que les secrètes, c'était nul. Non, mais. Ça, par contre. C'est nul. C'est et c'est à moi, du coup, oui. On a une hache, et pas vous. C'est bon, oui, c'est bon. Du coup, c'est dans ton booster. Donc, tu vois, elle est quand même venue à toi. Je suis super heureux. Vous voyez pas là, mais intérieurement, je suis super heureux. On va appeler le Iceman. Tenez, monsieur. Ah non, mais attends, je mets l'hache sur le côté. Je la plastifie. Oui. Ah, oui. Tu l'as. Et je la plastifie, je mets du coca dedans. Quoi ? Hein ? J'ai déjà fait le. Ah, pardon. Bon. Tête ça va, de ça fait ton troisième, non ? Dragon de force, hache. Force de hache. Juge de hache. Armure de soutien des engins H. De soutien H, on est d'accord. Dragon. Ah. Non, ma ressort H. Ma sœur de H. Ma sœur H. Ah, ma sœur, ma sœur. C'est vrai que c'est. Il est très très tendre. Chevaucheur des vents H. Ouais. J'ai dit une grosse connerie. Hurlement d'H. Enfin, j'ai pas dit. C'est hurlement d'H. La pierre blanche de H. Ah, bah oui, la pierre blanche de l'H. On est d'accord. Carte d'H. Oui, ou la guillotine des H. Non, exécution d'H au pire. Exécution d'H. Ouais, ou la guillotine de l'H. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Ou alors dragon H, tout le monde connaît le dragon bah oui, H. Le dragon de l'H. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde connaît le dragon H quand même. L'H, bon. J'ai une H. Hey, ça serait bien deux autres, honnêtement. Ah, et encore un pet. Willy, c'est ça. Alors quand vous achetez des boîtes avec un des boîtes chez moi, demandez des boîtes avec des pets. Ouais, je vais prendre un marteau, je vais faire des pets partout. Oh, bah celle-là, elle a une H, je te jure. Tu commences, Willy, du coup. Je laisse ton booster. C'est bien. Allez. Et franchement, tu devrais prendre celle-là parce qu'il y a un pet. Et qui dit pet, qui dit H. Alors, H. Non. En gros, c'est le maître. Avec des H. Des H. Maître des H. Uluberlu et H. Uluberlu et H. Juge des H. Je l'ai nul. Le légionnaire H. Légionnaire H. Celui-là est pas terrible. Ma sœur H. Un dragon. Et un peu sans secret. Donc, j'ai pas de H. Donc, il n'y a pas d'H. Pas d'H. Pas d'H. Panache. Oh, si on l'avait pas. Ah oui, c'est nouveau là. Breeze, Blizz, non, Bills. Alors, un synthoniseur terre plus un monstre dans synthoniseur. Non destructible ni au combat, ni par des effets de cartes. D'accord, déjà c'est une 3000-3000 qui est presque là tout le temps, quoi. Lorsque vous recevez des dommages d'une carte impliquant cette carte ou un effet de carte de l'adversaire, cette carte gagne une attaque égale au dommage que vous avez reçu. C'est pas mal. C'est pas mal. Genre, le mec, si tu veux. Il te fait 8000, plus 8000, mais t'es mort. Non, t'es mort, voilà, c'est ça. Mais. À moi. Attends, j'ai pas fini. Ah merde, j'ai pas vu. Des couteaux sur les cartes. Ah, il y en a encore une, putain. Ça s'appelle des couteaux cartes. Des couteaux cartes. Ça, c'est bien, ça. C'est pas mal. Ça, ça fait que ton deuxième. Ouais. Ou ton troisième, je sais pas. Mon cinquième. Ah. Tiens, oui. Les cartes blanches, j'aimerais faire quand même. Non. Bon, ah, mais merde, je suis revenu donc, c'est pour ça qu'il faut que tu me donnes pour que je trie. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'es plus fort que moi. Non, mais comme ça, après, t'as le temps de faire l'autre en attendant. Alors, nous avons quoi ? Une pas d'âge. Tête de canon X. Un dragon perroquet. Une mauvaise hache. Hé, honnêtement, pourquoi je confonds avec l'autre là ? C'est neutre, hein ? Putain, elle est pas pareille. Ben non, elle est plus. Voilà. Elle est plus jolie déjà. Quoi, l'autre ? Non, celle-là que l'autre. Ouais. Moi, je préfère celle-là hein, que l'autre. Mmh. Enfin, du niveau design, après, mais c'est sûr qu'à niveau effet, ça va très mieux quand même. Et on arrive au secret, donc dragon destruction, la corne, enfin la fluide d'invocation du dragon, le trou blanc, enfin trappe blanche. Et je dis plus H parce que j'en ai une. Le duo du délinquant, le duo délinquant qui est très très bien. Et pas vous. Ça, ils ont déjà 4, 3. 46. Ouais, c'est dingue. Nous, franchement, ça nous désole. Pas vrai, oui, ça nous désole. Oui, oui. Ça te désole pas, oui. Merde, c'est 1, 2, 3, 4. Ça me désespère, pas désole. Double invocation. Aussi. Oh, la mauvaise hache. Mais aussi, j'y ai cru, quoi. Mais c'est dingue, à chaque fois que je vois une fille, mais en fait, ça y est, quoi. Ben, je pense que c'est une hache.
Oui, il va être dans la rue. H H H bon. C'est toi, H. Arrêtez, monsieur. Un duc de H. Le ravin des H. Le ravin des H. Je vais en rêver cette nuit, tu vois. Et ravin des H, quand même, c'est rigolo. Bon. Bah t'as déjà t'as... Allez, franchement Willy, je vois pas pourquoi allez, tu te plains. En 10 boîtes t'as une hache. Alors franchement Bah 1 pour 10, c'est ce que je t'avais dit hein. Non, t'avais dit 1 pour 4 je crois à peu non, près. Non, 1 pour 8. Oui. Allez, 1 pour 8. C'est vraiment si rare que ça, mais finalement. Bah ouais. Pardon, oui. Je fais exprès. Donc là logiquement ça, on va avoir une deuxième hache. C'est moi qui commence du coup. Une deuxième hache. Ça on voit pas. Vas-y oui. Alors comment ça se secrète. On change. Ah, une polymérisation. On avait pas eu ça là. Bah non. Si sur. Non, on a eu des fusions plein de fois. Bah ouais. Pierre blanche ancienne, celle-là non plus on l'a pas eu. On a eu des autres pierres blanches bizarres. Putain, mais on a pas. C'est quoi ces nouveaux boosters. C'est bien de faire par l'envers en fait. Ça, on l'a eu. Celui-là était bien. Allez, on commence par dessus. Ah, j'ai non plus ça me pneuse, serpent rouge, géant de mer. Ah bah voilà, j'avoue. Celui-là on l'avait eu, ça va. On l'a pas on l'a vu, mais pas beaucoup. Hein. Oui, oui, bien sûr, celui-là non plus. On l'avait pas eu presque. C'est clair. En fait, ça se trouve, c'était. Oh, là t'as eu des trucs bizarres, ou alors c'était des coupages de carton peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Non, théoriquement, c'est tous les mêmes, mêmes cartons comme tu dis. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Et que des cartes qu'on a pas vues. Publication de clone. Enfin, si, là, celui-là on a eu, mais bon. Et c'est à qui c'était un... C'est à toi. Tiens, je te donne les cartes que t'as pas eues. Quoi hey. Alors, allez, on va continuer, ça nous a apporté chance les secrets d'abord. J'avoue. Un duo. Un gros. Ah, deuxième. Bah, c'est bien déjà, ça fait la deuxième. Alors, il se tourne par contre, on avait déjà. Tourne déjà. Allez, une hache. Non. Là, ça doit être une hache. Non plus. Une hache. Non. Une hache. Non. Une hache. Non. Elle est pas mal quand même. Oh, ça aussi c'est super bien, sage fusion. Ajoutez une polymérisation depuis votre deck. Ah oui, c'est pas mal. Ça fait comme si c'était une polymérisation de ton jeu en fait, parce que bah. Ou alors faut que le mec annule, mais bon. Mais du coup, c'est même mieux qu'il t'annule ça que qu'il t'annule une polymérisation. Parce que du coup, tu l'as toujours dans ton jeu. Oui, oui, combo, combo. Combo. Tiens, oui. Combo prison. Combo prison. Pedro Ramirez. Combo prison. Allez, on mélange. On mélange. Ça va être encore pire. Ça se trouve, du coup, t'es en train d'abîmer ta hache. Eh ouais, je vois plus rien. Et Mizuka no Yaiba. Non, c'est Mikazuki no Yaiba. Ouais, c'est ça. Ah, une flûte tête d'invocation du dragon. Dragon de destruction. Un dragon de destruction. Un virus. Un dragon blanc aux yeux bleus et aux testicules roses. Ah non, on avait dit en or. En or. Carte d'exécution. Trappe blanche, le djinn de bouse. C'est vrai que quand on mélange tête du coup, de canon X, on peut pas savoir. Anneau de destruction. Ah, celui-là non plus tu l'avais pas du coup. Si, je... Non. C'est une secrète ou pas? Non. Ah bon? Ouais, j'ai mélangé là. C'est une... Non mais est-ce que du coup c'est une secrète? Bah, il faudra regarder. Eh ben vas-y, à toi. Ça à moi, oui. Ça à moi, il faut acheter revoir une boîte. Ah bah non, on va s'arrêter là. Ah oui, ça fait 4 boîtes. Et voilà, donc du coup, on a une hache. Il nous reste 4 boîtes à ouvrir. J'espère qu'on aura une deuxième hache quand même. Ouais, minimum. Voire même 3, ce serait bien. En vrai, 3, ce serait très bien. Non, mais c'est pas possible. Si c'est une pour 8. Une pour 8, non, c'est. Oui, mais regarde, là, les boîtes, elles ont croqué toute ta chance. Là, elles l'ont. La chance, elles sont dedans, la boîte. Une pour 8, dans la théorie, on devrait avoir une deuxième hache. En théorie, mais on en avoir une deuxième, je te dis, moi j'en ai 3. 3, ouais. Je pense qu'on en avoir qu'une. T'as raison. Mais bon. en tout cas, je suis content, j'en ai au moins une. Donc je voilà, bah, pour ce troisième épisode, voilà. Pas la peine de regarder le quatrième parce qu'on va pas en avoir. Non, faut pas dire ça, hein. Après ils vont pas regarder. Mais c'est vrai, non, je sais pas, j'ai pas ouvert encore. Ils sont là. Ah, donc du coup, il y a sûrement une troisième. Peut-être. Donc du coup, bah, on se retrouve à une prochaine vidéo, toujours pareil, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Les Armes et Légendes. On répond aux questions, on met une nouvelle vidéo. Non. On met de nouveaux produits, ouais. Tout le temps. Presque. Et, ouais, et puis voilà, sur notre site internet, là par contre on met tout le programme. Wow. Et puis après, ben, sur la chaîne YouTube, mais vous y êtes, vous le savez très bien. Et sinon, au magasin. Ouais.
Venez, si vous avez aimé la petite vidéo, d'avoir un H tout petit pouce bleu. Voilà. Venez nombreux. Parce qu'en fait, vous avez, si vous venez à deux, eh ben, vous prenez deux places. Ah, ouais, franchement, c'est un bon truc. Ouais, ça. C'est un bon compromis, ça. Moi, j'aime bien. Ouais, t'as bien. Allez, on vous fait un gros bisou. Allez, à plus. Ciao.